suis heureux de rencontrer aujourd'hui un couple que j'ai rencontré il y a 50 ans en Suisse. Il s'agit de Monsieur Jean Moisset et de sa femme Aliette. Vous savez, je suis prêtre depuis près de 60 ans, donc mon expérience est très variée. Et pendant que j'étais étudiant à Rome, je passais mes étés à assister les églises suisses. Et c'est ainsi que je me trouvais à Fribourg et que eux étaient étudiants amoureux et j'ai présidé à leur mariage. Voilà exactement 50 ans. Donc, nous sommes heureux d'avoir avec nous Jean Moisset. Qu'est-ce que vous avez étudié en Suisse? Eh bien, en Suisse, j'ai eu à étudier en économie politique. Économie politique. Et c'est après ma licence en Suisse, je suis parti pour une année à Paris, à l'Institut qu'on appelait à l'époque IRFED, Institut de Recherche et de Formation, d'Éducation et Développement. Alors là, déjà diplômé de l'École Normale Supérieure d'Haïti, ajouté à l'éducation à Paris, ajouté à l'économie politique en Suisse, où je devais retourner par la suite, après avoir été au Canada en 1968, pour terminer ma thèse de doctorat à Fribourg. Et actuellement, bien sûr, je suis à Québec. Nous sommes à Québec, Aliette et moi. Et j'ai été professeur à l'université Laval. Laval, à Québec. À Québec, à la ville de Québec. Et c'était au département des fondements et pratiques en éducation, où j'assurais des cours et des formations en éducation, en développement, en planification d'éducation et en économie politique appliquée à l'éducation. Et maintenant, vous êtes à la retraite. Ah oui, oui. Après avoir travaillé de très nombreuses années. Et nous nous tournons maintenant vers Aliette. Qu'est-ce que vous faisiez en Suisse, il y a 50 ans? En Suisse, c'était la même chose. J'étais étudiant. Et de là, c'était la médecine. Il fallait faire tous les semestres jusqu'au diplôme. Et après le diplôme, on s'est marié justement le 26 août. Qui est une date, le 26 août. Le 26 juillet. Le 26 juillet. Juillet. 1969. Et là, bon, c'était la même chose. On fait la vie ensemble jusqu'à 50 ans. Vous avez un fils maintenant. On a un fils qui s'appelle Pierre Alain, qui est juste à côté de nous. Et puis qui a lui 3 enfants. Il nous a donné 3 enfants et maintenant nous sommes grands-parents. Donc vous avez pratiqué la médecine, à Québec. À Québec, non, malheureusement, parce qu'il y avait des problèmes d'ordre médical. Et j'ai fait la vie familiale, j'ai fait aussi de la peinture, j'ai fait beaucoup de pressions communautaires, de l'aide, de bénévolat et puis des choses comme ça. Mais c'est surtout au Nouveau-Brunswick que j'ai pratiqué la médecine. Et aussi une partie en Suisse en faisant l'internat, puis tout le reste pour avoir le diplôme. Entre-temps, vous vous êtes marié et vous avez trouvé le bonheur dans le mariage. Dans le mariage, oui. On a continué la vie. Tout ce qu'il y a. Vous êtes bien entendu. On s'est entendu. De temps en temps, on se fait des petites discussions. Là. Ça ne manque pas. Et il semble que ça ne fait qu'alimenter
La joie et puis le bonheur. Et l'affection. L'affection mutuelle. C'est ça. Oui. Tu ne regrettes pas d'avoir épousé Aliette. Mais moi non plus. Je n'ai pas regretté de l'avoir épousé, oui, lui. D'accord. C'est certain, oui, que, comme dans toute vie de couple, il y a des moments, comment dire, des hauts. Oui, des petits bas. Mais vous êtes très content. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas des occasions pour de rupture, s'éloigner, mais plutôt des occasions pour se réconcilier. C'est très bien. Et la réconciliation, finalement, ça doit être une occasion pour nous de raffermir un petit peu. On est toujours avec l'idée d'Haïti aussi. Parce qu'on a aidé beaucoup en Haïti. Donc, il a participé à l'université de Kiskeya. En Haïti, il a enseigné aussi par un moment. Oui, enseigné aussi, donné des cours, etc. Mais essayons de, maintenant de parler surtout du mariage. Oui. Vous savez ce que c'est que le mariage. Hein? Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Voilà. Pour commencer, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est que ça. Nul ne sépare ce que Dieu a uni. Non, donc, le mariage est un sacrement, un signe. De même que l'époux aime sa femme et se sacrifie pour sa femme, et que la femme répond à l'amour de son mari en se sacrifiant elle-même, ça représente Dieu qui nous épouse, qui épouse l'humanité. Donc la femme représente l'humanité et le mari doit refléter un peu les vertus de Dieu le Père, ou bien de Jésus, parce que Jésus est l'époux. Et c'est pourquoi le mariage est quelque chose de très précieux et que l'on doit beaucoup respecter. Nous assistons dans le monde à des gens qui s'amusent, les hommes qui prennent des femmes comme des jouets, pour jouer avec elle ensuite. Même s'il y a un enfant, ils abandonnent l'enfant et la femme, ça brise la famille et ça affecte l'avenir de l'enfant. Mm-hmm. Tandis que lorsqu'un enfant grandit entre son père et sa mère, il a des chances de s'épanouir davantage. Donc, vous vous aimez encore? Ah ben, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Et vous habitez toujours où ça? Toujours à Québec. Toujours à Québec, la ville de Québec. On est en ville de Québec. Hein. Et ça fait quand même relativement longtemps. Longtemps. Que j'en ai à Québec. Oui, ça fait longtemps. Depuis 78. Ma soeur, qui est avec nous aujourd'hui, Lucille. Elle habite à Gatineau. À Gatineau, ouais. Et ça, c'est toujours au Québec, dans la province de Québec. Nous sommes dans la ville de Québec. Et nous avons aussi la très grande joie d'avoir notre fils et sa petite famille qui sont installés aussi dans la ville de Ancienne-Lorette. Québec, et plus exactement à Ancienne-Lorette. C'est une sorte de quartier. Non, c'est ça. Disons que c'est une municipalité. Une municipalité. Qui se veut assez indépendante. De la grande communauté de la ville de Québec. De Québec, c'est ça. Vous n'avez pas souffert de préjugés du tout. Bon. Vous savez, comment dire qu'on n'a pas souffert de préjugés du tout? Ce serait peut-être pas le bon, exagéré, mot, le bon mot de dire des préjugés. Les gens qui vous rencontrent vous diront toujours, même après 40, 50 ans que vous vivez dans le pays, mais d'où vous venez-vous? Et il faut quand même prendre ça, pas comme un signe de préjugés, mais comme un signe
que vous n'êtes pas vraiment né ici, local. Vous n'êtes pas local, exactement. Mais comme on est très diversifié, parce qu'il y a beaucoup d'autres communautés qui habitent là-bas. Oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, je leur dis toujours que je suis d'origine haïtienne. Et ça, c'est, on ne peut pas me l'enlever. Mais parfois, je leur dis, écoutez-vous, où est-ce que vous êtes né? Parce que tout le monde n'est pas né, même s'ils sont plus blancs que moi, ou bien quelle que soit la couleur, beaucoup de gens ne sont pas nés dans le Québec. Oui, c'est ça. Dans le Québec. C'est un pays d'immigrants. D'immigrants. Oui, c'est ça. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire à la communauté au sujet du mariage? Oui. Nous sommes très heureux de pouvoir venir et célébrer aujourd'hui, demain, ouais, notre 50e anniversaire de notre mariage, surtout avec vous, mon père. Oui, parce que c'est moi qui ai présidé à leur mariage il y a 50 ans. Donc ils viennent du Québec pour une messe célébrée par moi, mais pour eux et leur famille, pour vraiment remercier le Seigneur pour ces 50 années de vie amoureuse, de vie laborieuse, mais amoureuse, et d'avoir fondé une famille qui a eu beaucoup de succès finalement, puisque c'est une famille qui s'est épanouie, et donc le fils maintenant a 3 enfants et travaille à une très belle fonction dans la province de Québec. Et puis vous êtes resté actif dans la communauté et actif également dans votre profession de foi en Jésus, l'époux qui veut nous traiter comme un époux traite son épouse, mais que nous devons être fidèles à notre époux Jésus. Et c'est la vocation de l'Église, une vocation que chaque couple est appelé à vivre dans sa plénitude. Donc, nous vous remercions beaucoup d'avoir consenti, sans avertissement préalable, d'avoir consenti à participer à cette entrevue et à nous donner ce signe magnifique de la victoire de l'amour dans la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Seigneur, sans ça. Nous entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. L'amour, j'entends déjà ta voix. Tu me prendras tout contre toi pour me noyer dans le ciel de tes bras. Tu me diras tout
J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. Chantons déjà ta voix. J'entends déjà ta voix.